Bonjour, j'ai un colis pour monsieur Connor. Moi c'est monsieur Connard, je peux le prendre quand même? Oui, bah si vous voulez. Bon bah alors il n'y a pas de problème. Ah attendez, toujours avant de signer, un principe de base, je peux vous rendre ça. Excusez-moi. Oh super, exactement ce que je voulais. Formidable. Un tomahawk absolument superbe. Ah oui, c'est important, hein. Il faut toujours vérifier quand on reçoit un colis qu'il est en bon état, qu'il n'a pas été abîmé par la poste. Avant de signer, bien sûr, le petit reçu. Bon, les petits amis, vous avez pigé aujourd'hui. On va jouer à Assassin's Creed 3. Un jeu incroyable, superbe, magnifique, comme cette figurine dont je suis tombé amoureux instantanément quand je l'ai vue dans le magasin. Je l'ai même acheté avec mes sous, hein. Regardez, j'ai encore le ticket de caisse. Hein. Ça coûtait 100 euros, mais c'était trop beau. Fini la Renaissance. Assassin's Creed, maintenant, c'est la Révolution américaine, d'où le drapeau américain, le vrai héros américain, fier et brave, qui se dresse de manière absolument magnifique. Je comprenais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette figurine. Après, j'ai compris quand j'ai appris qu'elle avait été dessinée par Alex Ross, un de mes dessinateurs de comics préférés, qui fait des trucs absolument fabuleux. Il a repris la Justice League, Superman et compagnie, et il fait toujours des dessins absolument épiques. Ça, c'est quand il était petit, et déjà, c'était superbe. Mais regardez, il fait vraiment des trucs incroyables, où les super-héros sont vraiment magnifiés, dans des poses absolument incroyables. Je vais juste vous faire un petit exemple. Il a repris une des premières couvertures de Superman, qui était comme ça, un petit peu cheap, et lui, il en a fait ça. Et là, juste, bah, ça déchire. C'est impressionnant. Donc c'est lui qui a fait cette figurine, c'est à cause de lui que j'ai craqué, mais j'aurais pu craquer pour la version normale du jeu, sans les bonus et les trucs comme ça, parce que déjà, le jeu, à la base, vous allez voir, est vraiment très très réussi. Tous les Assassin's Creed sont réussis, c'est vrai. On commence à se lasser un peu de la période Renaissance, il était temps qu'il change d'époque. Et ben voilà, ça y est, cette fois, on va partir à l'époque de la Révolution américaine et on va vivre des vrais événements historiques. C'est ça que j'adore avec Assassin's Creed, c'est que c'est instructif et éducatif, en plus d'être un bon jeu d'action, un peu gore parfois. Voilà. Donc voilà monsieur Adams, la famille Adams, si vous le permettez, mes amis. Avec lequel nous allons papoter un petit peu. Et vous allez voir que chaque détail compte. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Alors Johnson, c'est vraiment des gens qui ont fait la Révolution américaine. Et vous allez voir qu'on va participer à certains éléments historiques, des vrais faits historiques, qui ont déclenché la Révolution américaine, parfois pour des broutilles, comme des histoires de taxation de thé, tout simplement. Tu possèdes une esclave? Suri. J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Alors ça, par exemple, c'est des vrais détails historiques. C'est dingue. Même juste dans les dialogues, ils arrivent à fourrer des petits trucs qui ont vraiment existé. Évidemment, mélangé avec un peu de fiction, parce que le personnage de Connor, lui, n'a pas vraiment existé. Enfin, pas à ma connaissance. Mais en tout cas, tout le reste est vrai. Et c'est super de se balader dans l'histoire. On a vraiment l'impression de voyager dans le temps à chaque fois avec les Assassin's Creed. L'époque est très bien retranscrite, regardez, chacun va à ses applications, à ses occupations. Eux, ils sont en train de mater je ne sais pas quoi par la fenêtre. Ça a l'air très très intéressant. Les gens se promènent, ils discutent entre eux, ils tiennent, il y a un marché, il y a des crieurs de rue, comme celui que vous voyez là, qui peut d'ailleurs vous aider à améliorer un peu votre réputation si ça tourne mal. Si vous êtes recherché par des gardes, le crieur de rue va dire que vous êtes un gars sympa et ça va un peu aider à retomber la pression. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare. Ils viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte ou ces hommes vont l'enfoncer. Donc voilà les collecteurs d'impôts qui vont s'en prendre à ce pauvre monsieur qui refuse de payer ses impôts. Il ne peut pas tellement partir en Suisse à l'époque, c'était des semaines et des semaines de bateau, ni dans les îles Caïmans, c'était pas encore des paradis fiscaux. Donc bah voilà comment on traitait les collecteurs d'impôts à l'époque. Donc il faut que je l'aide, c'est ma petite mission. Donc voilà, quand je vous disais c'est éducatif, là vous allez me dire, mais mon dieu, mais c'est terriblement gore ce jeu. Ah oui, les Assassin's Creed, ça a toujours été assez gore, hein. Mais notez qu'on se bat quand même avec beaucoup de style et de classe, comme toujours. On peut contrer, voilà, un truc, envoyer l'adversaire dans le décor, et l'achever à coup de tomahawk, puisqu'il a un peu de sang indien dans les veines. Et beaucoup de sang d'homme blanc sur le costume, ce pauvre Connor. Alors pauvre Connor, c'est pas une insulte, hein, à part dans le Nord, dire, oh espèce de Connor. Non, il s'appelle Connor, c'est son nom, c'est américain. Comme Jimmy Connor, vous voyez le tennisman que tout le monde a oublié, sauf moi. Alors lui aussi, c'est un peu sali, hein. Sa femme avoir un peu de problème avec la lessive, sans doute. Malgré leurs dents et leurs griffes. Si j'étais lui, j'irais prendre une douche. Comme des chiots. Remarquez que le sang s'évapore au fur et à mesure, ça va assez vite quand même. Je t'offrirais bien une bière, mais on m'attend ailleurs.
Oh, ce beau gosse de Connor, quand même. Il est pas mal. Hein. Je vais juste fouiller un peu les cadavres, parce qu'ils ont toujours des choses intéressantes, ces gens-là, comme des balles, des flèches, des mines, de l'argent. Donc évidemment, ça va vous permettre d'améliorer votre équipement. Là, je caresse un petit toutou au passage pour montrer que je ne suis pas qu'une brute épaisse qui tue des gens. Non, j'ai pas fait exprès, mais en tout cas, ça vous montre au passage qu'on peut avoir des interactions avec les petits animaux. Il y a beaucoup d'animaux dans ce truc. Vous allez voir que dans les rues, voilà, on croise des chiens qu'on peut caresser. Voilà, brave toutou. Oh, l'autre, il est tout content, il se roule sur le cadavre. Eh ben, mangez-les, voilà. Ça sera pas plus mal. Y a des chats, voilà, un petit chat. Il y a des dindons. C'est bientôt Thanksgiving, donc voilà, c'est normal qu'il y en ait. Et puis, évidemment, plein d'animaux sauvages. Parce que là, je vous montre une ville aujourd'hui, c'est Boston. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur. On peut grimper aux arbres et tout, comme on grimpe en haut des immeubles, en haut des rochers, etc. On peut chasser, ça rappelle un peu Red Dead Redemption, le côté chasse, où on va poser des pièges pour récupérer des animaux. On va chasser à l'arc, vous avez vu qu'il a un arc et un carquois sur son dos, ce brave Connor tout court. Et vraiment, il y a toute une partie chasse et pêche tradition qui est plutôt sympathique, en tout cas que moi j'ai bien aimé. Ah, ils vont pas vouloir me laisser passer. Soit je fais le tour, soit je passe en force. Je passe en force. Allez, c'est parti. Pardon messieurs. Voilà, comme ça, ce sera réglé assez vite. Je suis fatigué, j'ai pas envie de faire le tour. Et puis en même temps, ça me permet de faire un peu les courses sur les cadavres des gardes. Comme c'est dans une petite ruelle un peu étroite, personne n'a rien vu. Par contre, si ça prend un peu trop de temps, en plus, il y a des renforts qui arrivent et là, vous êtes un peu mal. Voilà, bien fouillé consciencieusement tout le monde. C'est important parce que les munitions, les flèches, les trucs empoisonnés, les mines, tout ça coûte assez cher. Donc là, j'ai 665... alors, c'est pas des euros à l'époque. Peut-être des livres, hein, je pense. Des livres, puisque c'était une colonie un peu britannique. Ah, et je dois aller là, mais à mon avis, non. ça s'est vu, hein, ce que j'avais fait, finalement. Donc, je vais être obligé de me battre contre tous ces braves gens pour pouvoir redevenir un anonyme dans la foule. Donc, j'ai pas trop peur d'eux. Je peux les affronter, même s'il y a un peloton d'exécution qui s'est mis en marche de l'autre côté. Ah, j'ai pas eu le temps de le faire, mais normalement, quand vous voyez que des gars s'apprêtent à vous tirer dessus, vous pouvez prendre la personne avec qui vous êtes en train de vous battre pour vous servir de bouclier humain, en quelque sorte. Ouh là là, ça va pas bien fort. Je vais me barrer un peu. Ouh là là, il y a du monde partout. Je vais aller me planquer un petit peu. Grâce à mes talents d'acrobate, vous voyez que ça va assez vite. Essayer de grimper sur un toit, j'aime bien me battre sur les toits. En plus, ça fait classe. Petit côté Fanfan la Tulipe. Il faut qu'il monte jusqu'à moi, par contre. Regardez ça. Il est toujours aussi agile. Hein. Vous voyez, il y a toute la ville de Boston qui est reconstituée. Peut-être m'occuper. Oh là là, je vais peut-être me faire buter en train de regarder la ville de Boston. Ouh là là là, je vais pas bien fort. Quand même pas me faire tuer bêtement juste parce que j'ai voulu prendre un raccourci. Ce serait ballot. Je vais essayer de me planquer dans une meule de foin comme toujours, mais vu qu'ils sont juste à mes trousses, voilà, ils vont me griller mes directs. Peut-être faire le tour. Je pourrais emprunter un cheval et partir au triple galop, mais je pas non plus trop m'éloigner du lieu de ma mission quand même. Essayer de pas perdre trop de temps avec ça. Putain, tout ça parce que j'ai voulu prendre un raccourci. J'aurais dû faire ça un petit peu plus discrètement. Elle est où ma charrette de foin? Peut-être qu'en sautant d'ici. Là, si tout va bien, il devrait pas me voir. J'ai fait le tour du pâté de maison, c'est bon. On va attendre que les choses se calment un petit peu. J'ai un peu eu chaud au miche. Allez-vous-en. Dormez, brave genre, dormez. Je suis là, je suis incognito, personne ne sait que j'existe. Voilà, je laisse les gardes filer un petit peu. Là, je suis encore un petit peu trop recherché. Alors, il y a des affiches wanted avec ma tronche un peu partout. Je crois qu'il y en a une là. C'est une affiche, ça. Oui, non, non, pas celle-là. Si, voilà. Donc regardez, mon niveau de recherche a baissé d'un ton. Donc ça va. Je suis juste... Il faudrait que je sois vraiment incognito pour que ça se calme vraiment. Faire le tour par là, peut-être. Ah. Je suis désolé, hein. Tout ça pour avoir voulu prendre un raccourci, tout simplement. Tu parles d'un raccourci. On a bien perdu notre temps avec tout ça. Bon, on va le tenter. On va voir si... On va voir s'il me repère ou pas.
L'idéal, ce serait que je trouve une autre affiche. Oh là là, oh, c'est pas du tout là qu'il fallait aller. L'idéal serait de trouver une autre affiche pour finir. Ok, très bien. Bon, eh ben, je vais être obligé de me battre et de tuer tout le monde. Parce que mon truc pour devenir incognito n'a pas très bien marché. On va les attendre. Ils sont quand même nombreux, hein, mais je vais y arriver quand même. Si tout va bien, même si c'est moi, je peux arriver à battre autant d'adversaires. Parce que j'ai peur de rien. Je peux esquiver les coups. Donc quand un personnage va vous attaquer, il y a un petit triangle qui se profile au-dessus de sa tête. Et ça permet, hop, d'esquiver. Il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment. Ça permet d'esquiver. Il y a même des esquives absolument incroyables. Si deux gars vous attaquent à la baïonnette, par exemple, eh ben vous pouvez faire en sorte qu'ils s'embrochent l'un l'autre quand vous vous débrouillez bien. Ouh, là, c'est pas trop mal. Mais c'est un peu confus, tout ça. Faut dire qu'ils sont un petit peu nombreux autour de moi. Voilà. Allez, ils sont plus que 6 ou 8. Ça devrait aller si je me fais pas tuer. Voilà. Lui, carrément, il sort son mousquet. Vu le temps qu'il va mettre à recharger, ça va. J'ai le temps de m'occuper de ses camarades. Ça, j'adore. Les gunfights au mousquet, le temps, il faut une demi-heure pour recharger le truc. C'est assez fabuleux. Allez, je vais esquiver un peu. Voilà. L'esquive, ça paye bien. J'adore. Et puis surtout, c'est classe. Voilà, regardez ça. C'est tout beau. Il n'y en a plus que 3. Je sais pas combien ils étaient, vous avez compté, non? Bien me faire tuer par les 3 derniers, c'est bien mon genre. Voilà. Oh, un petit coup de baïonnette dans le dos, ça, monsieur, c'est pas très sympa de votre part. Voilà, bah, je pense que les tomates qui poussent ici vont être bien... comment dire? Il y aura bien de l'engrais après tout ça. Voilà. Oh, il fait mal celui-là. C'est un Rodriguez, on va le revoir, on va voir comment ce monsieur a perdu sa virilité. Super, bah ça fait mal, hein, ça fait mal, surtout au ralenti. Bon, voilà, bah du coup, du coup, ça a un peu calmé tout le monde. Je vais peut-être pouvoir retourner. J'allais juste à une réunion de conspiration, moi, tranquille. J'ai juste voulu prendre un raccourci. Bon, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que finalement, ça change. À chaque fois que vous jouez, il se passe des choses différentes. Et on peut rejouer, évidemment, des niveaux. Donc voilà les ignobles conspirateurs. Voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier William de sa Molineux. Nouvelle entreprise, Stéphane Chaffin. C'est peut-être l'arrière-arrière-grand-père de Peter Molineux, notre fameux joueur de flûte qu'on connaît de nos jours. Et lui s'appelle Monsieur Chapeau. Ses collecteurs se font sûrement un Français. De plus en plus pressants. Donc vous allez voir pourquoi ils veulent se rebeller. Je laisse causer. Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Et pourquoi la colère gronde? Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Alors. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu tout me ça voir pour du thé. Ça tient à pas grand-chose une révolution. Refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Alors voilà, je voulais le laisser arriver jusque-là parce qu'il nous parle de son peuple. En fait, il faut savoir que Connor est à moitié américain, à moitié indien. Et pendant tout le début du jeu, vous n'avez pas joué Connor, mais vous allez jouer ses parents, enfin en tout cas son père, qui traverse carrément les mers. D'ailleurs, des super batailles navales de temps en temps, qui traverse carrément les mers pour aller jusqu'aux États-Unis, qui fait la connaissance d'une indienne. Il est contre l'esclavagisme, donc... Retourne sur les quais et assure-toi. Oui, voilà, on y va. donc voilà, son père va rencontrer sa mère. Donc tous les 2-3 premières heures du jeu, vous ne jouez pas Connor, mais son père. C'est la première fois qu'un jeu vidéo vous propose de créer carrément le héros, puisque c'est sa maman indienne et son papa qui vont se reproduire pour le créer. Ensuite, tout le début, vous êtes enfant dans un village indien, donc vous dirigez un petit garçonnet dans un campement indien. Je vous passe les détails, mais il se passe des choses très émouvantes et très touchantes qui font qu'on connaît toute son histoire depuis son enfance. Et donc on s'attache à Connor, c'est pas juste le héros brut comme on les connaît d'habitude. Donc vous avez vu, là j'ai renversé un porteur de thé. J'ai vraiment toute la ville à mes trous, ça, c'est terrible. J'aurais pas dû faire tout ça. Alors voilà, c'est les gens qu'il faut que je massacre, c'est les gens qui portent du thé. Donc voilà, en voilà un de moins.
fait partie de mes missions. Ma mission principale, c'est quand même d'aller... Madame fait la lessive, vous avez vu. C'est quand même d'aller faire exploser les colis de thé. Puisque, en fait, les gens se rebellent contre la taxation du thé. C'est ce qu'on appelle les fameux Tea Party. On en parle encore aujourd'hui dans les élections américaines. Vous avez peut-être entendu un petit peu. Et ben voilà, ça vous explique les origines du Tea Party. On vous explique ces origines-là dans Assassin's Creed, ce qui est quand même assez fabuleux. Et si je me cachais, ils me verraient tout de suite. D'accord. Juste, je vais vous faire voir, parce que quand je vous dis que c'est historique, je raconte pas n'importe quoi. On va aller juste 2 secondes dans la base de données, entrée récente. Voilà ce que c'est que le Tea Party de Boston. Ce fut l'un des principaux événements menant à l'indépendance. Des mécontents déguisés à la va-vite en Amérindien, pour faire flipper un peu les gens, sont montés à bord de 3 navires amarrés dans le port de Boston et ont jeté par-dessus bord leur cargaison de thé pour protester contre les taxes britanniques. Jeter autant de thé dans un port explosa probablement le record de la plus grande tasse de thé, mais il n'y a rien de tel que de gaspiller un bon thé pour faire sortir un Anglais de ses gonds. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça, pourquoi ? Parce que c'est des vrais événements historiques qui sont restitués là, il y a aussi des personnages, etc. Et vous avez vu, avec une petite touche d'humour, genre, ah, c'est le plus gros thé qu'on ait jamais fait, quoi. Donc je trouve ça génial d'apprendre des choses en s'amusant avec un vrai jeu d'action où vraiment voilà, il se passe des trucs assez incroyables. Allez, monte là-dedans, j'aurais bien qu'on se plante. Non, il n'y a rien à faire. Je suis trop recherché. En plus, là, la séquence que je vais vous faire voir, c'est plutôt de l'infiltration. Donc tant que j'ai tout ce petit monde aux fesses, ça risque d'être assez délicat de faire de l'infiltration. Surtout ne pas les emmener sur le lieu de ma mission. On va essayer d'aller un peu plus loin. Ça, c'est un fort anglais, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour se planquer. J'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance dans ce que je fais là. Allez. On va donc s'éloigner de ce fort. Revenir un petit peu par là. Je perds du temps, hein. Du coup, ma petite mission est un peu compromise. Mais bon, voilà, ça fait partie du charme d'Assassin's Creed. Ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu, évidemment. Et heureusement, il y a toujours du suspense, de l'action. Oh, ils ont tué un cheval! Oh, bah alors là, ça, je ne laisserai pas faire ça. On peut tuer des humains dans les jeux vidéo, mais les chevaux, les chiens, les animaux, non. Ça, c'est pas très bien, monsieur. C'est bizarre, d'ailleurs. Hein. J'ai vu ça souvent dans les jeux vidéo. On peut massacrer des types, ça fait rien à personne. Mais dès qu'on touche à un cheval, un chien, un truc comme ça, ça y est, tout le monde pousse des grands cris. Oh mon Dieu, c'est affreux. De toute façon, quand on joue trop aux jeux vidéo, on n'a plus une perception de la réalité totalement. Totalement sad. En même temps, voilà, on sait bien que c'est pour rigoler tout ça, c'est du cinéma. Et personne n'y croit vraiment. Personne n'ira jamais embrocher un gars dans la vraie vie. Oh, j'en connais un qui va se faire désynchroniser s'il ne se barre pas très très vite. Ouh là 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 là, vite. Tout ça pour un raccourci, hein. Tout ça pour un raccourci. Depuis tout à l'heure, je cavale rien qu'à cause de ça. J'attends qu'il récupère un peu avant de retourner à l'attaque. Là, il a encore la vue extrêmement troublée. Je suis recherché à mort. Oh là 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 là. Voilà. Oh là là, il y en a 50 autres qui arrivent. Mais pourquoi je suis maudit comme ça? Mais c'est dingue. Je vous cache pas qu'aux répétitions, ça se passait jamais comme ça. Je faisais mon petit truc tranquille en douce. Personne ne me repérait. Allez, 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 allez. Cours, Forest, cours. Putain, ils en ont mis partout. En jour, rien du tout, oui. Oh là 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 là. Ils sont bien trop nombreux. Bon, je vais me barrer à cheval à 140 km de là. Tant pis, bah comme ça vous aurez vu. Non, vous aurez même pas vu un cheval, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les chevaux? Il faut appeler la SPA, c'est pas possible. Je piétine des petites plantations de cultivateurs innocents, c'est pas non plus une très bonne idée. Tiens, regardez, un dindon. On parlait d'un dindon tout à l'heure. Allez hop! Peut-être que ça pourrait. Ça pourrait un petit peu détourner leur attention. Ah, oh, s'il était monté tout de suite dans cette charrette, cet abruti, ça se serait peut-être bien passé. Mais non. Oh, allez, bon, allez, ok, je vais me battre. Pas fuir tout le temps non plus, mais en même temps, quand ils sont 150, ça prend du temps. Voilà, lui, je l'ai bien esquivé. Et on a un petit truc de Tomahawk. Et ils arrivent, mais combien ils sont? Mais combien sont-ils? Oh là 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 là, allez! En même temps, bah voilà, bon.
Je suis dégoûté, je m'entraîne pendant des heures pour vous faire voir des trucs bien sympas et ça marche jamais. Ça m'énerve. Je suis fatigué. Vraiment, j'avais un truc super à vous faire voir en mode infiltration et tout. Bon, j'espère qu'il va me remettre, au moins qu'il aura la gentillesse de me remettre pas trop loin, que j'ai pas tout à refaire, que je sois pas recherché par la police. Non, ça va, mon truc de recherche est quand même... En fait, j'aurais plus vite fait de me laisser tuer tout simplement. Ça évitait les ennuis et je repartais plus vite. Et on n'aurait pas perdu 10 minutes à... En même temps, vous aurez vu un peu de bagarre, de la fuite sur les toits, un peu de cavalcade à cheval, etc. Donc finalement, c'est peut-être pas tant de temps perdu que ça. Mais moi, je suis juste dégoûté pour mon ego, quoi. Comprenez le truc. J'arrive à faire des trucs quand vous n'êtes pas là et j'arrive jamais à les faire dès que vous me regardez. Voilà. Vous m'intimidez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas le plus grand joueur du monde, hein, je reconnais, mais je suis pas non plus aussi mauvais que ce dont j'ai l'air quand je fais des chez Marcus. Alors maintenant, bah, je suis à 20 bornes de mon point de mon chantier naval, puisqu'il faut que j'aille au port pour buter des cargaisons de thé. Ça peut être aussi assez pacifiste, on se contente de cramer du thé, c'est pas grave. Ah, je vois les mâts des navires devant, ça veut dire que je ne suis pas très très loin. Voilà, je marche sur des étalages. J'essaie de pas heurter des gardes bêtement pour pas me faire emmerder après. Voilà. Pardon, monsieur, dame. Donc ça doit être par là-bas. On y arrive, hein, je vais y arriver. En plus, j'aurais peut-être pu profiter du truc pour vous faire voir quelques armes assez sympathiques. Notamment la dague corde que j'ai pas utilisée encore là, dans mes combats. Parce que les munitions tout ça, sont très limitées et ça coûte très cher, donc je préfère les garder pour des trucs importants. Et puis j'avais fait quelques emplettes pour tout vous dire avant de commencer ce chez Marcus, pour vous montrer justement l'utilisation de fléchettes empoisonnées, de dagues cordes, de flèches, de choses comme ça. Donc voilà, là enfin je retrouve à peu près ce que j'avais prévu de vous faire voir. C'est loin, quand est-ce qu'on arrive? Alors c'est juste là, vous voyez, c'est à moins de 100 mètres, donc je vais commencer à me méfier et je vais monter sur les toits pour pas qu'on me repère. Parce que si je rentre dans la zone où j'ai pas le droit d'être, tout de suite c'est l'alerte et les gardes vont commencer à courir un peu partout et encore me retrouver avec 150 cartes sur le dos. Voilà. Bon, allez. Allons-y. Voilà. Là, regardez, en bas il y a deux gardes et voilà le chargement de thé que je suis chargé de faire sauter. Donc ce que je vais faire, j'ai des petites fléchettes empoisonnées. Je vais empoisonner un des gardes, voilà. Par exemple celui-ci. Donc regardez, le pauvre gars va pas aller bien du tout. Moi, comme je suis un indien maintenant, je peux grimper aux arbres. Donc regardez, il est un peu malade, hein. On sent bien qu'il va pas bien. Et son camarade qui est juste en dessous, je vais le choper avec ma dague corde. Hop, on va le pendre haut et court. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, je crois que c'est pas mal. Je peux descendre. Peut-être le fouiller au passage, on sait jamais. Peut-être de l'argent sur lui. Ah, je suis devenu super rapide, hein. Je suis une vraie pince. Hein. Je fouille tout le monde maintenant. En même temps, on n'a pas trop le temps. Donc allez, on va placer le chargement. On va placer un petit explosif près de la cargaison de thé. Et on va partir comme dans les films américains, vous savez, juste en marchant, avec l'explosion derrière vous, pour faire genre super classe. J'adore cette image. Bon, et puis alors j'ai trois trucs comme ça à faire sauter, donc il faut maintenant que je fasse le tour. Je vais pas trop me faire repérer. Voilà, je suis plus très loin, il y a d'autres gardes là-bas. J'ai essayé de passer sur le côté. Ouh, j'ai entendu un petit bruit qui sent pas bon, qui veut dire qu'un garde m'a peut-être aperçu. Où est-ce qu'ils sont? Ouh là là, ils sont juste à côté. Je vais essayer de monter, moi j'adore monter sur les toits. Je suis quand même un gros lâche, hein, donc j'adore faire de la grimpette. En plus, Connor, il est quand même fait pour ça. C'est un gars absolument incroyable, un athlète hallucinant. Et voilà la deuxième cargaison de thé. Vous voyez, juste en bas. Donc ce coup-ci, je vais sortir les flingues. Voilà. J'ai remarqué que juste à côté, quelqu'un a eu la bonne idée de mettre un petit tonneau, une petite barrique. Vous la voyez là? La petite barrique d'explosifs. Ben, je vais tirer dessus. Voilà! Comme ça, je fais les choses proprement. Bon, par contre là, évidemment, ça a un petit peu déclenché l'alarme et ça a un petit peu énervé tout le monde. Donc j'ai intérêt à fuir assez vite sur ce bateau en construction. Regardez le port, c'est pas magnifique. Un petit plongeon super classe. Ouh, j'ai failli m'éventrer sur une barque. C'est pas passé loin.
Regardez comme il nage bien. C'est un indien, forcément. Donc c'est la nage indienne, ce qu'on appelle la nage indienne. Et pendant que tout le monde me tire dessus, je vais aller exploser le dernier chargement, la dernière cargaison de thé. Il y a des missions annexes. Alors c'est assez génial, puisqu'il y a vraiment des missions principales à faire, plus des missions annexes. Et si je tirais carrément sur le petit tonneau de poudre? En me dépêchant peut-être un peu quand même, parce que... Voilà, pas mal, ça m'a fait permis de... Enfin, j'ai pas fini. Je me vante avant d'avoir fini le travail. Voilà, ça c'est fait. Je pense que maintenant personne ne viendra me chercher de soucis. On va faire péter le dernier. Oui, bah, je fais pas les civils, monsieur. Je ne m'occupe que des gens qui ont un uniforme. Voilà, je vous refais le coup de l'explosion à l'américaine, du héros qui marche sans se soucier de ce qui se passe derrière lui. Voilà. Et puis on va continuer. Donc voilà, ça c'était ma mission principale. Il y a des petits trucs annexes, genre se débarrasser un peu des collecteurs d'impôts qui embêtent cette pauvre population. Il est temps de se quitter normalement, mais juste vous faire voir un petit peu comment ça se passe avec les collecteurs d'impôts. Voilà, là je vois un petit groupe de collecteurs, je vais en profiter. J'adore, j'ai un truc super avec les collecteurs d'impôts que j'ai mis au point. Parce que figurez-vous que j'ai des mines. Donc j'attends que les civils passent, je vais aller chercher une mine. Je vais la mettre derrière eux pendant qu'ils sont en train de... Pendant qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe dans cette maison. Voilà, je vais reculer prudemment. Peut-être même monter là-dessus, tiens. Voilà, et avec ma chère petite corde, ma dac corde, je vais attirer l'un d'entre eux droit sur la mine. Lui, par exemple. Voilà. Viens par là, mon petit bonhomme. Et voilà, le travail. C'est pas mal, ma stratégie, non? C'est histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en combinant les mines, la corde, etc. Il y a plein d'autres trucs à faire, beaucoup plus malin que ça. Voilà, bon, j'espère que je vous ai donné une bonne impression d'Assassin's Creed malgré mes errances par moment. Mais bon, finalement, j'ai réussi à peu près à recoller les morceaux. J'ai vraiment trouvé que c'était un jeu fabuleux pour plein de raisons. C'est à la fois de l'action bien violente comme on aime, c'est vrai que c'est assez rigolo, et puis en même temps un truc relativement éducatif, donc où on apprend vraiment plein de choses et il y a vraiment des vraies infos historiques. La reconstitution de Boston est très très réussie. Vraiment voilà, mélange entre Skyrim et Red Dead Redemption, un monde ouvert avec plein de missions à faire, plein de trucs en plus du scénario principal, et puis voilà, la chasse, le gibier, chasse et pêche et tout. Bref, j'ai kiffé. Bon allez, je vous laisse mes petits assassins, soyez sages, et à bientôt pour de nouvelles aventures.